Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est sur Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour, tous les jours, sur la map classique sans level que vous voyez à l'écran actuellement. Donc si vous vous connectez tous les jours, on finira bien par débloquer l'XP sur cette map et quand on aura l'XP, on va pouvoir vous proposer de meilleurs glitches d'XP, genre que vous allez gagner 5, 10, 15 levels. Donc merci à tous ceux qui se connectent sur la map pour nous aider à débloquer l'XP. Donc le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à vous connecter une à deux fois par jour, tous les jours. Alors, le code de la map de cette vidéo, c'est 6, 7, 6, 4... 1, 8, 0, 1, 8, 1, 4, 0. Donc voilà, le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc là, vous choisissez la map, vous lancez la map en privé pour pas être dérangé par les autres joueurs. Pendant que la map charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ça soutient à fond la chaîne. Il s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Et par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur option, menu et lancez le jeu. Et là, ce que vous allez faire, les potos, c'est d'attendre au moins 10 minutes pour être sûr que vous gagnez beaucoup plus d'XP. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre 10 minutes, mais si vous attendez 10 minutes, vous gagnerez normalement plus d'XP. Après, vous pouvez faire tous les glitchs sans attendre 10 minutes. Ça vous rapportera sûrement aussi des XP, mais ça vous rapportera sûrement moins d'XP. Donc là, il est marqué « Play 10 minutes ». De toute façon, si vous attendez 30 minutes, ça sera encore pire. Enfin, encore mieux, quoi. Mais voilà, moi, je vais juste attendre 10 minutes. Et ensuite, je vais vous présenter les glitchs. Donc, c'est parti. À tout de suite. Ok, donc j'ai attendu 12 minutes exactement. Au bout de 10 minutes, j'ai eu 45 000 XP. Et au bout de 12 minutes, j'ai encore eu 10 000 XP, je crois. Donc, voilà. Donc, si vous attendez 10 minutes, vous aurez déjà un gros boost d'XP. Alors, maintenant, je vais vous présenter les glitchs. Donc, quand vous sortez... Vous allez au tremplin, juste ici. Juste ici, là. Et vous allez mettre 14 rampes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, normalement, vous avez un bouton d'XP. Peut-être c'est 15, alors. Ah ouais, c'est 15. C'est 15 rampes. Donc ici, vous avez un bouton d'XP, vous interagissez avec. On va voir combien ça va me donner. Je suis à 38 000 XP. Ok, ça m'a donné 22 000 XP. Alors, le deuxième glitch. Vous allez vers la première rampe. Juste ici. Et vous allez en dessous de la rampe de gauche. Et vous allez calculer 8 carrés. Donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et normalement, vous avez un bouton d'XP au milieu du 8e carré. Vous interagissez avec. Donc j'étais à 16 000 XP. Donc là, ça m'a donné 19 000 XP. Alors ensuite, vous allez... sur la deuxième rampe, voilà, juste ici, et vous allez créer... Ah, il y a un petit truc là. Ok, ça fait rien du tout. Vous allez créer 9 rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 rampes sur la droite, hein. Ok. Et 3 plats. 1, 2, 3. Et là, normalement, vous devriez avoir... Ah non! 3 plats, pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Donc vous revenez vers vos constructions. 1, 2, 3. Et là, normalement, il devrait y avoir un bouton. Peut-être au quatrième. Ah non, c'est au deuxième. Wesh. Il est où le bouton? Il est où le bouton? C'est 10 rampes qu'il faut mettre. 10. Il est où le bouton?
Attendez, je trouve pas le bouton. C'est quoi ce délire? Ok, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc c'est bien 9 rampes, ensuite 2 plats. Et normalement, le bouton est juste ici. Voilà, donc vous interagissez avec. Donc j'étais à 77 000 XP. On va voir combien ça va me rapporter. Ok, donc celui-là m'a rapporté 22 000 XP. Alors maintenant, vous allez près du rebondisseur qui est juste là-bas au fond à droite. Ok, donc quand vous êtes ici, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le coin et vous allez créer 3 rampes. 1, 2, 3. Ensuite, vous refaites 2 sols vers l'arrière. 1, 2, 3. Normalement, le bouton devrait pas être loin. Bah, j'ai du mal dans cette vidéo à trouver les boutons, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que c'est que ça non? Bon, attendez, je vais vérifier, mais c'est bizarre. Ok, donc en fait, il est juste ici. Donc vous faites 3 rampes puis 2 plats, et sur le deuxième plat à gauche, il y a le bouton Secret Room XP. Donc là, j'étais à 55 000. Ok, non. Ok, donc celui-là m'a rapporté 26 000 XP. Alors ensuite, vous allez près du rapide. Enfin, la plateforme rapide de droite, donc celle-ci. Et là, vous allez faire... Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Donc en face du camion, il y a une plaque qui vous rend rapide. Et là, vous allez faire 10 ou 11 rampes, je ne sais plus exactement. Donc, on va tester ça. 1, donc vous mettez bien la rampe comme je le mets au-dessus. Non, pas au-dessus, mais juste après le pad rapide. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11. Et normalement, il devrait y avoir un bouton d'XP. Et comme par hasard, je le trouve pas. Donc attendez, je vais vérifier où est-ce qu'il est. Ok, donc je l'ai bien trouvé. C'est à 10 rampes en fait. Vous créez 10 rampes. Et au-dessus de la 10e rampe, il y a le bouton Secret Room XP. Donc vous interagissez avec. Donc là, j'étais à 29 000 XP. Ok, celui-là m'a pas rapporté beaucoup. Il m'a rapporté 6000 XP. Alors maintenant, vous allez aller vers le rebondisseur de gauche. À côté gauche du carré respawn back. J'aurais dû prendre le speed. Vous allez prendre le truc pour aller un peu plus vite. Et là, ce que vous allez faire, c'est être dans l'angle, donc dans l'alignement du bloc, donc sur cette ligne-là. Il faut que vous soyez aligné avec le camion. Normalement, c'est peut-être ici. Voilà, c'est juste ici. Donc regardez, je suis aligné sur la ligne du devant le camion rouge et sur la ligne du cube bleu. Donc là, hop, vous interagissez avec le bouton Secret Room. Donc j'étais à 23 000. Là, on est déjà à 10 000. 13 000. Ok, donc là, ça m'a rapporté 21 000 XP. Alors ensuite, il en reste un. Ouais, il en reste un seul. Et le dernier, c'est celui qui est en dessous du spawn. Donc vous allez construire, enfin vous réutilisez la construction que vous avez déjà utilisée, enfin créée, et vous allez en dessous du spawn, au fond à droite. Donc boum, 1, 1, ok, donc là vous créez des plats, et vous allez au fond à droite. Et ça ce sera le dernier glitch d'XP de cette vidéo. Donc regardez normalement dans le coin,
un coin, normalement il y a un bouton que j'arrive pas à accéder. Pourquoi? Donc attendez. Hein. Bon, je vais encore vérifier le bouton. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Hein. Ah bah en fait, le bouton ici, il n'y est pas. Il n'y est pas, c'est pas sur la bonne map. Je me suis trompé de map. Donc là, il n'y a pas de bouton. Donc voilà, là, je vous ai présenté tous les glitchs. J'ai gagné... Ouais, j'ai gagné facilement un niveau. Un niveau complet. Ouais, voire même un niveau et demi. Donc presque deux niveaux, j'ai gagné dans cette vidéo. Donc si vous faites ce glitch, bah, vous gagnerez un à deux niveaux. Et si vous voulez gagner encore plus d'XP, soit vous arrêtez le jeu et vous recommencez le jeu en illimité et vous refaites tous les glitchs pour gagner 10 XP, ou soit vous utilisez la technique secrète qui est en description, en commentaire épinglé, qui va vous rapporter 5 fois plus d'XP. Donc si vous gagnez 2 niveaux, vous gagnerez 10 niveaux rien qu'avec ce glitch. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je mettrai en description, en commentaire épinglé, avec la technique secrète si vous ne connaissez pas cette technique. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.